Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée aux différents modes de publication. Bien souvent, les auteurs envoient leurs manuscrits aux premières maisons d'édition qu'ils trouvent sur Internet, reçoivent des contrats, mais ne comprennent pas vraiment ce qu'ils impliquent. Donc, si vous avez terminé votre ouvrage et que vous ne savez pas quoi en faire, cette vidéo est faite pour vous. Vous avez actuellement trois modes d'édition possibles, chacun avec ses propres spécificités, et c'est vrai qu'il peut parfois être difficile de s'y retrouver. Alors, nous allons donc les passer en revue un par un. Tout d'abord, le plus connu, l'édition à compte d'éditeur. Alors, c'est peut-être le plus connu, mais en quoi est-ce qu'il consiste réellement? Lorsque vous êtes en édition à compte d'éditeur, vous cédez à l'éditeur le droit d'exploiter votre œuvre en échange d'une rémunération. Pour les spécificités du contrat, je vous renvoie à un site que je vais vous mettre en barre d'infos, celui de la Société des gens de lettres, qui donne pas mal d'indications juridiques, mais je vais essayer d'en faire une synthèse. Ce qu'il faut retenir, c'est que une fois le contrat signé, c'est l'éditeur qui, à ses frais, va se charger de la réalisation de la couverture, de la correction, de la maquette, de l'impression, de la diffusion et de la promotion. L'auteur n'a rien à débourser du début jusqu'à la fin du processus, et j'insiste vraiment là-dessus. Et en échange de ça, l'auteur cède donc ses droits sur son œuvre. Ça veut dire que l'éditeur peut ou non vous demander votre avis sur la couverture. Si vous voulez que oui, il vaut mieux spécifier dans le contrat. Il peut choisir le prix de vente, et si jamais vous vous fâchez avec lui, vous ne pouvez pas lui demander de retirer votre livre du catalogue, à moins qu'il y ait vraiment une raison légale, c'est-à-dire par exemple qu'il n'a pas respecté un point du contrat. Donc, vous l'avez compris, un contrat d'édition, ça ne se signe pas à la légère. Parlons argent. La plupart des maisons d'édition fonctionnent avec un système d'acompte. Qu'est-ce qu'un acompte? Un acompte est une somme versée par l'éditeur lors de la signature du contrat. Cette somme est censée aider l'auteur à vivre en attendant que l'éditeur lui reverse ses premiers droits sur la vente des ouvrages. Il n'y a pas vraiment de standard concernant la somme que peut représenter cet acompte. C'est surtout en fonction des capacités financières de la maison d'édition et de votre notoriété. Mais voilà, à moins d'être ultra coté, ce n'est clairement pas un pactole que vous allez gagner. Ensuite, vous allez toucher vos droits d'auteur une fois par an après ce qu'on appelle la réédition des comptes. La réédition des comptes, c'est la synthèse de toutes vos ventes. Vos droits d'auteur, eux, sont calculés par rapport au prix hors taxe du livre. Pour de la littérature générale, ça va normalement de 8 à 12%, mais pour la littérature jeunesse, ça peut tomber jusqu'à 6%. Et donc non, ce n'est pas grand-chose. En synthèse, l'édition à compte d'éditeur, c'est aucun investissement financier de la part de l'auteur, c'est l'éditeur qui prend tout à sa charge. C'est-à-dire que même si à un moment on vous organise une dédicace à l'autre bout de la France, c'est l'éditeur qui va vous payer l'hôtel. Ensuite, c'est l'éditeur qui est responsable de tout, donc de toutes les phases de production jusqu'à la promotion. Même si on demande aujourd'hui aux auteurs, même édités, de participer activement à leur promotion, c'est quand même l'éditeur qui est censé tout organiser. Ensuite, ce que ça implique, c'est que vous cédez vos droits à l'éditeur. Vous ne pouvez pas rompre le contrat comme ça. Ensuite, ce qu'on reproche souvent à l'édition à compte d'éditeur, c'est des revenus assez faibles pour les auteurs. Aussi, juste en passant, on m'a demandé de faire une vidéo sur comment envoyer son manuscrit à un éditeur, et elle est déjà écrite, je vais la faire, je vais même la sortir ce mois-ci, donc si le sujet vous intéresse, restez sur la chaîne. Ensuite, deuxième sorte d'édition, l'édition à compte d'auteur. Beaucoup d'auteurs confondent l'édition à compte d'auteur et celle à compte d'éditeur. C'est compréhensible, la confusion est facile, car les maisons à compte d'auteur se présentent rarement ainsi. Le plus souvent, elles disent juste maison d'édition ou maison d'édition participative. Une maison à compte d'auteur se veut avoir le même fonctionnement qu'une maison à compte d'éditeur. C'est donc l'éditeur qui va se charger de choses telles que la couverture, la correction, la maquette, l'impression, la diffusion et la promotion. Sauf que pour faire tout ça, il va vous demander une participation financière. Et c'est à ce moment-là, généralement, que les auteurs se rendent compte qu'ils ont démarché une maison à compte d'auteur plutôt qu'à compte d'éditeur. Parce que si vous voyez sur le contrat qu'on vous demande de payer quoi que ce soit, c'est une maison à compte d'auteur.
Une question peut se poser, c'est vu que je donne de l'argent pour publier mon livre, est-ce que je garde tout de même mes droits? C'est vraiment un point où j'avais un doute et j'ai demandé du coup des témoignages à des auteurs et il m'est revenu que certaines maisons à compte d'auteur laissaient leurs droits aux auteurs, tandis que d'autres les gardaient le temps de la durée du contrat qui, là, dans le cas qu'on m'a raconté, était de 2 ans. Parlons argent une nouvelle fois. Une maison à compte d'auteur va donc vous demander de participer financièrement à la conception de l'ouvrage, mais pour le reste, elle fonctionne comme une maison d'édition. Vous allez toucher vos revenus annuellement après la réédition des comptes. Pour les pourcentages, il faut savoir qu'ils sont souvent supérieurs à ceux donnés en édition à compte d'éditeur. Histoire d'avoir des chiffres, j'ai demandé à certains auteurs qui étaient passés par ce mode d'édition et on m'a parlé de 15 à 20%. Alors, comment faire lorsqu'on veut envoyer son manuscrit et qu'on veut soit viser une maison à compte d'auteur, soit les éviter? Lorsque vous allez faire une recherche sur internet avec par exemple la recherche comment envoyer son manuscrit à un éditeur, vous allez avoir une liste de liens qui va apparaître en haut de la page avec un petit cartouche vert avec marqué annonce dessus. C'est là quelles sont les maisons d'édition à compte d'auteur. Donc si vous voulez aller à compte d'auteur, cliquez sur ces liens, mais si vous ne voulez pas, évitez d'aller dessus. Ensuite, lorsque vous êtes sur leur site, vous voyez généralement qu'il est très facile de leur envoyer un manuscrit, alors que c'est vrai que les éditeurs ont tendance à cacher un peu cette partie « Envoyez-nous votre manuscrit ». En plus de ça, les maisons d'édition à compte d'auteur vous répondent très rapidement. Généralement, elles précisent qu'elles ont besoin juste de 15 jours pour lire votre manuscrit et vous faire un retour. En synthèse, l'édition à compte d'auteur, c'est donc l'appui d'une structure éditoriale similaire à celle d'une maison d'édition à compte d'éditeur. Vous n'allez pas devoir créer votre couverture, faire votre correction vous-même, ce genre de choses, c'est eux qui vont s'en charger. C'est également un réseau de distribution. Après, renseignez-vous bien sur la maison que vous choisissez, mais ça vaut aussi pour les maisons à compte d'éditeur. Parce que certaines ont un réseau de distribution assez large qui par exemple vous permet d'être présent sur le catalogue libraire, tandis que d'autres ont vraiment des partenaires assez restreints. Donc c'est un point sur lequel il va falloir vraiment vous renseigner à ce niveau-là, mais que ça soit en maison d'auteur ou à compte d'éditeur. Au final, si vous voulez avoir votre livre publié rapidement, ça peut être une solution comme une autre. Cependant, n'oubliez pas donc l'investissement financier qu'on va vous demander et qui peut vraiment être assez élevé. Et prenez aussi ce dernier point en compte, même si l'édition à compte d'auteur est censée vous aider lors de la promotion, moi j'ai eu beaucoup de retours où les auteurs s'étaient au final retrouvés complètement seuls et avaient dû gérer cet aspect-là et bien par leurs propres moyens. Enfin, le troisième modèle, l'auto-édition. L'auto-édition, c'est l'auteur qui choisit de devenir entrepreneur. Il garde ses droits, décide de tout, mais ça veut également dire qu'il doit tout gérer par lui-même. Pour tout ce qui concerne le travail éditorial, comme la création de la couverture, la correction, la maquette, il peut soit le faire par lui-même, demander à ses amis, soit engager des travailleurs indépendants, soit faire appel à une société qui propose ce genre de prestations. Pour l'impression, si l'auteur souhaite avoir des exemplaires pour lui, pour vendre à ses proches ou présenter lors d'événements, il va falloir qu'il fasse imprimer des exemplaires à ses frais. Donc il peut très bien aller voir un imprimeur ou alors passer par le service d'Amazon, KDP, qui propose de l'impression pour les auteurs. En ce qui concerne la diffusion, l'auteur peut soit, encore une fois, passer par une société qui a des partenaires similaires à ceux d'un éditeur, soit publier lui-même son ouvrage sur Kobo ou Amazon. Ce que ça sous-entend tout ça, c'est que ça peut coûter de l'argent. Parlons donc argent. Il y a moyen pour qu'une auto-édition ne vous coûte rien du tout. Pour cela, vous allez pouvoir faire relire votre ouvrage à vos proches, utiliser une image libre de droit pour votre couverture, la monter vous-même, faire votre maquette sur Word, et après vous allez poster tout ça sur par exemple KDP qui ne demande aucun frais. Et avec tout ça, vous n'aurez rien dépensé du début à la fin. Après, si vous voulez passer par des professionnels pour tout ce qui concerne couverture ou correction, forcément, on va vous faire des devis, et pareil pour l'impression. En ce qui concerne le reversement, là, ça dépend de ce que vous avez choisi. Si vous êtes passé par un prestataire, en ce qui concerne la diffusion, il faut voir ce qu'il vous propose.
Et par contre, si comme moi, vous choisissez de passer par Amazon, KDP, sachez que vous touchez soit 70, soit 35% de votre prix de vente hors taxe sur l'e-book, et que pour la version papier, vous touchez 60% moins le prix d'impression à l'unité pour la version brochée. C'est ça. En synthèse, ce qu'il faut retenir sur l'auto-édition, c'est que premièrement, ça demande beaucoup d'investissement de la part de l'auteur, et ce à tous les niveaux. Par exemple, c'est vous-même qui allez devoir gérer votre promotion, et c'est généralement ça qui freine les auteurs, c'est même si je vais essayer quand même de vous aider là-dessus sur la chaîne, c'est voilà, comment vendre mon livre, comment participer à des événements, comment me faire connaître via les réseaux sociaux. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut engendrer pas mal de coûts, parce que l'impression des ouvrages, mine de rien, pour participer à ces fameux événements, va falloir les payer, hein, les livres. Et pareil, si vous voulez avoir une belle couverture, il va falloir engager un professionnel, ce genre de choses. En revanche, l'auto-édition, c'est également le fait de garder ses droits. Vous restez propriétaire de votre œuvre. Ça implique donc que c'est vous qui décidez de tout. Si vous voulez telle couverture, vous faites telle couverture. Si vous voulez mettre tel prix de vente, vous mettez tel prix de vente. Et vous passez par qui vous voulez pour vous diffuser. Vous faites l'événement que vous voulez. Si vous voulez pas y aller, vous n'y allez pas. Enfin, pour terminer, comme je vous l'ai dit en exemple avec Amazon, vous touchez généralement plus de droits d'auteur lorsque vous êtes en auto-édition. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a aidé à y voir un peu plus clair dans toutes les possibilités d'édition qui s'offraient à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à m'envoyer un message. Bon, je connais pas tout sur tout non plus, mais je pourrais sûrement répondre à quelques-unes de vos interrogations. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !